Je suis honoré par votre présence ce soir. Mon Dieu, maman, qu'est-ce qu'il est beau! Votre Majesté, les leaders de notre royaume, je vous salue. En dessous des nuages épais, coulant des larmes sous peine et tragédie, sous contrôle des yeux mystiques au temps des jours, nous étions comme sous d'eau des immigrés. Pourquoi donc la guerre civile? Pourquoi donc garder silence et autoriser à nos bourreaux de nous réduire à néant? Afrique, réveillons-nous et luttons pour sauver cet héritage. Je veux saluer les soldats africains. Les soldats africains qui ont lutté pour notre liberté. Certains sont morts et d'autres sont encore vivants. D'autres morts, mais ils continuent à se battre. D'autres sont vivants, mais ils sont sans force. Et d'autres considérés de la même manière. Qui conduira donc les Africains à la terre promise? Ça fait mal de voir d'autres immigrés africains remplir les rues de l'Europe. Ils sont esclaves, maltraités et tués. Vous demandez pourquoi? Parce qu'il y a danger en Afrique. La souffrance en outrance. Et partout, il y a des guerres civiles. Les maladies qui sont provoquées par le partage de sang. La maladie mortelle, la malaria. Et tant d'autres. C'est incroyable, extrêmement incroyable, de voir comment les Africains peuvent survivre et être heureux, tout en gardant silence sur ce qui peut détruire leur avenir. Que la paix règne en Afrique. Que nos ancêtres nous viennent en aide. Car nous avons besoin d'eux, aujourd'hui plus que jamais. Que nos conflits antérieurs soient définitivement enterrés. Créons la joie ensemble. Une bonne éducation. L'unité de tous les Africains. L'amour au-dessus de tout. Sachant d'où nous venons pour mieux connaître où nous allons. Le respect, avant tout, que règne la paix. Que la paix règne dans toute l'Afrique. Voilà ma lettre à tous les Africains. Comment t'appelles-tu? Sa Majesté. Je m'appelle Justice, Sa Majesté. C'était une belle lettre. Je suis honoré. Merci, Sa Majesté. C'est un compliment qui restera pour toujours dans mon cœur. Devinez quoi? Vous avez vu les journaux? Nous faisons la première page de tous les journaux du pays et surtout, c'est en compagnie du roi. C'est génial. C'est une grande star. C'est une bonne chose. Je suis fière de moi. Est-ce que maman a vu ça? Je suis sûre qu'elle a vu, c'est elle qui m'a fait chercher. Il est très beau. Il n'est pas seulement très beau, mais aussi très riche.
avaler ma mâchoire bien taillée avec une sourire parfaite qui va parfaitement avec. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer de mes esprits. Comment es-tu? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait chez ça? Louise, ne commence pas. Commence pas? Ne me dis pas que tu es en train de tomber amoureuse de lui. Louise, je suis amoureuse de lui. Tu es amoureuse d'un prophète quand? Il a aussi sa librairie. Ah. Maman ne va pas aimer ça, tu le sais, n'est-ce pas? Il ne peut même pas prendre soin de toi. Excuse-moi. Salut. Salut. Je vais à l'étage. Alors, revenons à notre maison. Allez-y, votre majesté. Poussez. Oui. Poussez. Encore. Encore. Oui. Allez-y. Oui. Faveur des dieux, tout ira bien. Vous nous rafraîchissez sur le cœur, mais en ce moment, je peux sentir mon enfant dans mes bras. Et tant que cela n'est pas le cas, je ne veux rien que m'inquiéter. Poussez, il est déjà prêt pour le bébé. Encore une pousse, ça va marcher. Il est déjà prêt pour sortir. Moi, je sais vous prier. Encore du courage. Poussez, poussez, allez-y. Courage, oui. Poussez encore, oui. Un enfant est une bénédiction de Dieu. Et maintenant, vous avez cette bénédiction dans vos mains. Voulez-vous maintenant régner le roi, le trône et tout ce royaume? Allez-y, poussez! 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 Allez-y, courage! Oui! Poussez! Poussez! Encore! Votre Majesté. Délire votre langue et fais-moi entendre les désirs de mon cœur, Atibo. Au moment où attendent les battements du temple,
et ton sœur, ces chanteurs, du royaume. Pour célébrer l'annonce de la naissance du prince. Votre Majesté, que les batteurs arrangent leurs tambours et les femmes prêtes à chanter les hymnes retournent chacune chez elles. C'était encore un mort-né. Car sa respiration cessa immédiatement après sa naissance. Oh mon Dieu, tu es douce et si belle. Tu brilles comme une rose, tu sais. Merci. Est-ce que tu m'aimes? Au-dessus de tout, bébé. Penser à toi me donne envie de vivre. Écoute, dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes réellement? Rose, en ce qui concerne l'amour, c'est un peu comme la prière. Ça signifie tout pour moi, la fin de toute chose. Rien n'est plus difficile que l'amour en vrai sens. Es-tu d'accord avec moi que l'amour n'est pas seulement faire de bébé? Alors que dire de l'affection et de la joie? Et ce sont des choses importantes dans les mariages. Je sais, mon amour. C'est pour cela que je travaille dur. Arrête de te payer la tête de ma soeur, Grant. Et d'ailleurs, tes visites intempestives dans cette maison deviennent très agaçantes. Ce n'est pas ton problème. Oh, tais-toi, imbécile. Ce mec a plus de filles dans son cœur que tout un lycée. La seule chose qui l'intéresse n'est rien de plus qu'abuser de toi pour son propre plaisir. Lovisa, l'amour justifie tout, et je dis tout. À mon âge, ce serait révoltant. Mais au tien, c'est carrément ridicule. Ce n'est rien d'autre que des illusions. Clint, à la porte. La seule chose qui m'efface moi, c'est de ne pas avoir la force de te frapper comme tu le mérites. J'ai dit que la seule chose qui me fasse mal, c'est de ne pas avoir la force de te frapper comme tu le mérites. Ça, c'est pour avoir été grossière et très irrespectueuse. Ça va. Clint, à la porte. Bébé, calme-toi, ok? Moi, je m'en vais. Ça va? Non, reste à toi un peu. C'est bon. À plus. Je te hais pour ça. C'est pareil. Est-ce que Sa Majesté et d'informer que la table est déjà prête. Oui, ma reine, mais j'ai l'impression que le roi ne va pas se joindre à vous. Et pourquoi? Il semble de toute évidence, ma reine, que le roi a déjà pris son repas dans sa chambre. Débarrassez la table. Sa Majesté. Pourquoi tu es venu me voir? Ça fait déjà 3 nuits, Sa Majesté. Tu n'es pas venu dans ma chambre et moi non plus dans la tienne. Je veux savoir en quoi est-ce que j'ai offensé le roi. Ce roi n'est pas un imbécile, Zewa.
ce roi ne se jette pas sans contrôle dans les plaisirs de la chair. Ce roi n'a plus rien à foutre avec une reine stérile. S'il te plaît, ne me blesse pas, mon seigneur. Tu veux dire que tu n'as pas flirté avec moi? Et toi, tu étais comment vers moi? À cause des coutumes et traditions, j'ai été obligé de te prendre, toi, veuve de mon frère de fin, comme épouse. Je t'ai donné tout ce dont une reine a besoin. Et tout ce que je te demande, c'est un succès sur la trône. Est-ce que c'est trop demandé, c'est quoi? Dis-moi. Disparais. Besoin d'avoir recours aux esprits pour vous rappeler, Jabong, que plus un roi est protégé, plus il a la capacité et l'habileté de diriger son royaume. Votre Majesté, les paroles du trône sont compréhensibles. Ouais, en toute réalité, l'enjeu est très sensible. Notre peuple pouvait vivre ou pas une vie épanouie par les résolutions que nous prenons ici. Par conséquent, j'implore le trône d'agir avec prudence. Passez l'information dans tout le royaume. Je considère cette situation qu'une force majeure. Et ceux qui s'opposeront à mes décisions soient arrêtés et présentés devant moi. Que votre volonté soit faite. Sa Majesté, je vous salue. C'est quoi? Je ne suis pas ivre avec du vin, ni ivre de stupidité pour ne pas savoir que je n'ai pas besoin de ta présence ici. Quitte ici immédiatement. Sa Majesté, je veux... Quitte! Ce n'est pas dans la présence du roi que je veux être, mais dans celle de mon seigneur et Marie. Car même si je serais obligée d'obéir à la voix du roi, devrais-je aussi trembler devant celui avec qui je resterai nue et à découvert? Le mari dont tu parles est mort, c'est moi. Je ne suis rien d'autre que le roi qui punit tout acte de désobéissance et traduit en justice toute personne qui viole la loi. Quitte ici tout de suite, avant que je ne prononce un jugement de blasphème contre toi. Même si cela me coûtera les yeux de la tête, je ne m'éteirai pas jusqu'à mon dernier souffle, Sa Majesté. La seule chose que je vous demande est que ma voix se fasse entendre. Un mot de plus venant de toi, c'est moi. Ta voix sera entendue en enfer. Quitte. Le roi est furieux et le palais est présentement en trouble. L'absence d'un héritier du trône est en train de menacer l'union royale. Qu'est-ce qui rend la situation pire que la reine vient de perdre un autre enfant? L'obsession du roi d'avoir un héritier au trône est en train de le conduire à l'insanité. Et bientôt, il cherchera la consolation auprès d'une maîtresse. Ça, c'est très inquiétant. Oh, pas dans son intégralité, ma chère. Il a quelque chose, une actualité dans les hommes ambitieux comme nous. Tu vois, il a quelque chose de positif par rapport à la situation. Je ne te saisis pas bien. Qu'est-ce qui est positif au roi de perdre son enfant? Je ne parle pas de la perte d'un enfant par le roi. Je parle du fait que le roi cherche à une maîtresse. Écoute, ma soeur chérie, calme-toi. Et imagine tous les bénéfices que nous saurons si nous pourrions trouver une jeune fille dans notre famille qui comblera ce vide de la maîtresse du roi. Et si nous jouons bien nos cartes, la femme du roi, c'est la reine. Oh, réfléchis. Imagine la richesse énorme, le pouvoir et le prestige que ça nous apportera. Plus précisément, si à la fin, elle arrive à donner un fils au roi. Un héritier du trône, ma chère. Bien, qu'est-ce que c'est, ces ambitions ridicules? On dirait que tu as déjà l'idée de cette jeune fille en tête. Oh oui, certainement je l'ai. Oui, je l'ai.
Mais encore, le choix n'est pas entièrement mien. Maintenant, laisse-moi te demander, ma soeur chérie, si tu avais à choisir entre les deux filles, qui penses-tu serait bien pour le roi? Épargne-moi de cette insulte. Adieu-moi. Pardon, épargne-moi. Il n'y a rien de mauvais dans ceci. Je regrette beaucoup, mon cher frère. Comment imagines-tu de contempler mes filles elles-mêmes en parade devant le roi? Ça, c'est la plus ridicule idée qui peut exister. Ah, si tu savais les bénéfices que ça nous apportera. Ça nous apportera assez de bien et nous mettra à une position d'estime et de la faveur. Comment tu peux voir tous ces bénéfices derrière mes filles, Adjoubou? Comment tu peux consciemment sacrifier l'honneur de mes filles à l'hôtel de tes ambitions égoïstes? Ma sœur, réfléchis. Réfléchis. Ces filles sont mes nièces et je suis leur oncle. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui est en train de déranger ton cœur? J'ai besoin d'une autre épouse, maman. Une maîtresse, si tu veux. Une femme qui me donnera un garçon comme fils héritier. Grande est ma joie de t'avoir entendu parler de la sorte. Tu sais quoi, mon fils? Je suis d'avis avec toi. Joyeux anniversaire. Cette journée marque le premier jour du reste de ma vie. Ma mère, quels sont tes vœux? Au-delà d'une longue vie, je souhaite que tu gouvernes donc ta royauté avec une autre femme. Et à propos, mon cœur sera heureux comme un aigle. Alors je n'ai pas d'autre choix que de commencer ma recherche de celle que je vais épouser. Ah! Ne cherche pas trop loin, mon fils. Parce que moi-même, je vais emmener plusieurs filles ce jour-là devant toi. Et toi, tu choisiras l'une d'elles pour faire d'elle ta femme. Je désire embrasser ta bague. Merci. J'ai quelques filles à te proposer pour ce jour. Merci. Qui est-il? Je m'adresse à toi. Qui est-il? Il est juste un ami. Écoute-moi bien. La pauvreté est une maladie transmissible. Si tu te fais ami du mort, sache que tu finiras dans la pauvreté. Au contraire, fais-toi des amis avec des riches. Si tu te fais ami des riches, c'est certain que tu finiras riche et très influente. Ça, c'est le principe de la vie. L'amour justifie tout et n'importe quoi. Tu es amoureuse de lui. Tu es amoureuse de qui? D'un ordinaire enseignant? D'un simple gardien? Alors écoute-moi très bien. L'homme que tu vas aimer doit être 10 fois plus riche que moi. Maman, ce qu'on désire dans le mariage, c'est être heureuse et stable. C'est ce que j'ai trouvé en lui. Si tu choisis d'être folle, alors prépare-toi bien. Parce que je vais te renvoyer au village. Maman, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu refuses ma joie? Pourquoi tu me détestes? Tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Depuis que votre père est mort, vous êtes devenu tout ce que j'ai. Une fille, c'est une perle, une couronne. Tu es si jolie pour te démettre au dernier rang de la vie. Il y a beaucoup de maîtres dans cette cité qui ont des fric et qui sont très influents. Tu es amoureuse de lui. À ton âge, l'amour est une illusion. Tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Pourquoi? Pour l'amour? L'affection?
l'attention. Maman, c'est ce que j'ai trouvé. C'est tout ce que je désire. Plus question maintenant. À partir d'aujourd'hui, plus de visite pour toi. Je suis ravi de tes engagements, ma chère mère. Mes yeux s'illuminent de vous voir, vous, ces personnes gentilles avec le visage long, de venir célébrer avec moi. Je vous honore tous. Car sans votre présence à mes côtés, ma royauté n'existera pas. Je vous adore tous. Et je suis fier d'être roi du royaume de Toutouala, qui est un royaume de la paix. Aujourd'hui, ma mère présente devant moi des demoiselles. Des jeunes dames de cette communauté, avec que je fasse le choix de mon épouse, la future reine de ce royaume. Donc, si c'est de la volonté des dieux que je trouve une épouse, alors que cela soit ainsi. Je vous remercie. Un adage bien connu dit, tel père, tel fils. J'ai le plaisir de vous présenter les demoiselles de ce royaume. Majesté, mes pères, je vous salue. Votre grâce. Tu es belle. Merci beaucoup. Alors dis-moi, comment t'appelles-tu? Adjoa, votre grâce. Adjoa, si tu deviens la reine de ce royaume, quels seront tes devoirs? Votre Majesté, j'assumerai toutes les tâches d'une bonne mère. J'aurai du respect pour mes sujets et je vais toujours honorer mon roi et toujours le soutenir dans chacune de ses décisions. Merci. Votre Majesté. Votre Majesté, mes pères, je vous salue. Votre grâce. Tu es une vraie beauté. Votre compliment me touche, votre grâce. Comment t'appelles-tu? Ophébia, votre grâce. Ophébia, il y a une chose, sous forme de cœur. Si désagréable, mais n'importe quel homme doit y passer, tu vois s'agiter. L'attends, votre grâce. Je suis vraiment impressionné par ta noblesse. Merci, votre grâce. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Qui es-tu? Clint. Je vois que tu es en relation avec ma fille, Rose. Oui, il y a de cela quelques mois. Quelques mois? Je comprends. Écoute, Clint. Quand mon mari était mort, j'avais fixé une session objective. De faire de mes filles de grandes dames et des éminentes personnalités. Je suis passée par des durs labeurs pour poursuivre cet objectif. Tu penses que je peux fouler au pied tous mes efforts conjugués toutes ces années? Non, ça ne passera pas. Madame, je suis venue calmement te demander de rester loin de ma fille. Avez-vous parlé avec elle? Comme une sage de cœur. Cela doit être décidé par le père. Bien, je ne peux pas vous répondre maintenant sans savoir ce qu'elle en pense. J'étais sûre devant Dieu que je suis prête à tout pour protéger ma fille, tu sais. Sauf votre respect. Il n'y a pas de gloire dans ce monde plus que mourir pour l'amour. J'aime votre fille et j'ai l'intention de l'épouser. Reste loin de ma fille! Nous voulons nous concerter un moment, mère et fils.
Alors dis-moi, fils, quelle est la fille qui a un peu captivé ton cœur? Je dois te faire savoir que, malgré la beauté et la noblesse des filles que j'ai définies devant moi, je n'ai trouvé aucune qui corresponde à ce que mon cœur désire. Quoi? Mon fils? Maman, tu dois m'accorder plus de temps pour que je cherche ma femme. J'aimerais dire quelque chose. D'après mon expérience, quand quelqu'un dit ça, c'est que ça va être déplaisant. Tu n'as pas un bon cœur. Tu es vraiment très méchante. Qu'est-ce que Glenn t'a fait? Je me rappelle quand tu l'avais emmené pour la première fois dans cette même maison en chantant toutes les merveilles pour lui. En chantant toutes les bonnes choses pour lui. Et maintenant, tu le disais, c'est juste parce qu'il a mis son regard sur moi. Je vois que tu as perdu tout respect. Tu ne le mérites pas. Est-ce que vous pouvez fermer la bouche? Allez, va dans ta chambre. Salut. Salut. Je me refais un tour avec toi. Seras-tu prête demain? Oh, ok. Ok, bye. Loïsa. Maman. Il y a une opportunité pour toi de réussir. Et de te sécuriser toi-même de cette famille incapable et moins riche. Et de sa position égoïste. Qu'est-ce que c'est, maman? De quoi est-ce que tu parles? Le roi des droits la vient pour une visite royale. Quoi? Et je suis sûre que cela sera à ton avantage. Maintenant, je comprends la raison de mon existence. Arrête ça. Le roi est juste un empereur. Il a un sens comme nous tous. Il ne va pas très loin. Pourquoi tu ne veux pas voir aussi l'immobilité? C'est un grand honneur d'être visité par un éminent roi. Et on ne doit pas rater cette opportunité. Mais un instant, maman. Et s'il venait juste pour une visite de routine? Aucun homme ne visite dans une habitation de jolie fille, sans un quelconque intérêt. Je suis sûre que tu vas mourir. Maman, pourquoi toujours avoir des ambitions pareilles, maman? Pourquoi ne pas penser à autre chose? Allez, ferme-la. Tu devais te réjouir parce que tu as une mère attentionnée. Dans la vie, tu ne risques rien à rien. Voyons, maman. Là, elle court même le risque de perdre ses fiertés de femme. Eh bien, ça ne me dérange pas pour un homme de ce calibre. C'est pas comme si c'était Clint. Et lorsqu'il finira avec toi, tes prétentions vont tomber. Laissez-moi vous rappeler que cette maison n'a aucun lien de royauté. Nous devons être prudentes. C'est quand même une porte pour faire connaissance avec la jet set. Kendila est un vrai noble et beaucoup de femmes souhaiteraient avoir une maison avec lui. S'il faut jouer, je suis partante. Ok, je ne vois rien jusque-là qui pourra nous stopper. En effet, maman, nous devons alors arranger notre maison pour cette visite royale. Ça, ce n'est rien. Maman, oh, merci. Oh mon Dieu. Oh non, faut pas qu'il se passe. Est-ce que je vais plaire? T'es merveilleuse. Toute belle. Oh, attends, tu penses que je vais plaire au roi? Bien sûr que oui. Bien sûr. Eh bien. Soyez prêts pour la rencontre contre le mariage royal. Tu es sûre que je suis belle? Oh, le Dieu! Oh, maman! Oh, tu es belle. Oh, tu m'as rappelé mon souvenir. Oh,
Non, 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 non. Attendez, je vais arranger un truc ici. Regarde là. Essayez ce qu'il baigne. Vous êtes sûr? Avec la robe ici, ça va? Tout est bien. Okay. Tu vas bien? C'est bien assorti. Tout est en place. Ouais. Ça va? Oh, je suis contente. Bienvenue chez moi, Votre Majesté. Merci. Votre grâce. Déesse de la couronne, tu es magnifique dans cette tenue. Merci beaucoup. Je me suis parée ainsi spécialement pour cette occasion. Contente que ça vous plaise. Je suis très honoré. Merci, Votre Grâce. Par ici, s'il vous plaît. Je suis derrière toi. Votre Majesté. Puis-je vous servir, oncle? Ah, tu peux servir d'abord la déesse de la couronne. Dis-moi, Rose, quel autre talent as-tu en dehors de ta beauté physique? Yeah.
prêcher, peut-être? Non, le chant. Alors, chante pour moi. Non, je suis pas d'humeur. Refuserais-tu la demande du roi? Fais-moi l'honneur. Ah, ok, je vais essayer. Mais je n'ai pas une belle voix. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous êtes satisfait, mon roi? Bravo. Dis-moi, Rose, qu'est-ce que tu désires chez un homme? Richesse. Autorité. Pierre précieuse. Je peux dire que tout ça finit avec le temps. L'amour n'est pas à vendre. L'amour a été créé par Dieu. Peu importe les vents et marées, l'amour ne peut jamais s'échanger. Grande vertu. Si je peux ajouter. N'est-ce pas? Non, simple modeste. Vierge. Bien sûr que oui. Aucun homme n'a jamais pu découvrir mon corps jusqu'à ce que j'aurai moi-même du plaisir. Alors, que veux-tu en retour? La mort. Ça, elle est déjà en train de le donner à un bel et gentil. Non, elle est vraiment très amoureuse. C'est vrai? Oui. Eh bien, il y a moi aussi de l'autre côté qui suis à la recherche du vrai amour. Mais j'espère aussi qu'un jour je pourrai partager mes trésors. Très intéressant. Puis-je demander votre permission de prendre votre fille à mes côtés? Bien sûr que oui, votre majesté. Je peux savoir c'était quoi ce manège? De quoi parles-tu? C'est très bien de quoi est-ce que je parle. Je ne sais pas. Mais tu peux essayer d'avoir le jour de l'autre côté. Je t'ai vu, Prince. J'ai vu comment tu flirtais avec le roi. Quoi? Tu m'as entendu. Écoute, Loïsa, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu t'es fait juste des idées. D'ailleurs, il ne t'a même pas encore épousé. Ah, je vois. Voilà que tu passes à l'offensive. Écoute, Loïsa, il m'avait fait un sourire et moi j'ai répliqué. Eh bien, la prochaine fois qu'il te sourit, tu l'épouses. Montrez-moi la reine qui s'avère être ma mère. Bienvenue. Bon après-midi, votre majesté. Bon après-midi, jeune fille. Est-ce que je peux venir faire les comptes royaux? Ça sera un grand honneur pour moi. Mon nom est Sandy. Et moi, je suis la reine Awa. À
Avez-vous une fille, votre majesté? Bien sûr que oui. Mais où est-elle? Elle est juste ici, devant moi. Je vois. Pourquoi vous n'avez pas fourni l'effort de la prendre à l'aéroport après ces 2 ans passés en Angleterre? La reine présente ses excuses. Bien, la princesse les accepte. Oh, maman. Oh, maman, je t'aime. Tu es froide, maman. Elle n'est pas en forme. Elle est fiévreuse et un bon bout de temps. Ça va aller. Elle doit juste reposer. Oh, maman. Allez, prends ma main. Je vous ai appelé vous deux pour une raison spécifique. C'est important que nous disions telle que la situation est. Et le plus important est qu'elle soit parfaitement comprise. En tout et pour tout, les progrès de cette famille restent prioritaires, à mon estimation. Et vous devez garder ça à l'esprit. Tout le monde sait que nous avions attaché Louisa au roi. Mais la situation présentement est que le roi, dans sa sagesse, préfère une autre. Il en préfère une autre? Ouais, il préfère une autre. Mais heureusement, le roi n'est pas sorti des limites de notre famille. Pourquoi je pressens? Que ça ne se réfère pas à moi. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui a le courage de me répondre? Le roi a trouvé de la faveur auprès de ta sœur Rose. Tu as beaucoup impressionné le roi. Il a demandé une sortie en amoureux avec toi. Une sortie? Non, maman, c'est Louisa, il en voit. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne le considère pas comme une demande. Tu n'as aucune option. Ça, c'est un honneur pour n'importe quelle femme. J'ai pensé que tu avais des ambitions pour cette famille. Excusez-moi. Louisa, toi, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant et avale ce peu d'âme liberté. Peu importe ce que tu raisonnes dans ton cœur, tu dois savoir que tu t'es trompé parce que moi, je n'ai aucun sentiment pour lui.
faut être imbécile pour croire une telle chose. Tu sais, mon cœur n'est pas troublé et même pas ma conscience. Mais bien sûr, tu n'as fait que démontrer à quel point tu t'es désintéressé de finir dans le lit du roi. Laisse-moi te dire ceci. Si tu réfléchissais un peu bien, tu allais plutôt calmer ta colère chez le roi. Oh, mais je n'ai absolument rien contre le roi. C'est plutôt et uniquement contre la garce qui a trahi notre alliance. Et à cause de cette trahison, je te traiterai à jamais comme un dégage. Toi, idiot, tu fiches encore quoi ici? Je dis dégage! Bouge! On a entendu dire que ces jugements étaient remis en question ou qu'ils aient affecté le royaume. C'était la prospérité en tout et pour tous. Puis soudainement, la mort l'a frappé. Et pendant que le roi était encore en train de mourir, les exigences de la tradition ont été toujours respectées. Mais vous n'avez pas seulement eu l'accès. Vous avez eu aussi ma mère en mariage. Une décision que j'ai regrettée. Décision que je n'ai jamais trouvée. Les traditions ne sont pas destinées à la malheureuse, mais elles sont destinées à la respecter. Pourquoi es-tu devant moi? Je veux que tu cèdes à ma mère une part de fortune, et ensemble nous quitterons ce royaume. Et pourquoi? Comme le dit un adage, ce que un vieillard assis voit, un enfant ne le verrait pas même si soutenu ou serait tout. Mais on dit aussi, ce qu'un enfant peut transporter dans la force de sa jeunesse, un vieillard ne comprend pas, même s'il a eu ses lourdes. Ma mère vit dans une famille de chagrin. Ça me fait couler des larmes de la voir souffrir autant. Et mon plus grand désir est que mon père soit encore présent sur ma vie. Veuillez accepter ma requête, et nous pourrons quitter ce royaume toutes les deux cette nuit. Mais par contre, si vous refusez, je devrais retourner. Ta demande est rejetée. Salut Louisa, est-ce que ça va? Je suis surprise que tu ne te sois pas encore rendue au palais. As-tu changé d'avis sur le roi? Je n'ai pas besoin d'une autre guerre avec toi, Louise. Comme c'est gentil, mais désolée de te décevoir, ton piètre jeu de comédien ne m'impressionne pas du tout. Avoir une chose et à peine que je commence à la toucher du bout du doigt. Et toi, tu es censée de nulle part comme la folle. Est-ce que tu es de la langue? Oh, je n'en reviens pas. Pour la première fois de ma vie, je suis avec un homme avec qui je suis très heureuse. Et qu'est-ce que ma petite soeur fait? Elle apparaît. Ne elle dis pas le... ça. Oh, ferme je ne veux pas. Tu vois, tu veux te battre. Tu veux te battre, hein? Viens me faire face. Nous allons nous battre pour le cœur du roi. N'as-tu pas honte de te battre pour un homme? Oh, arrête de faire semblant, Rose. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est le roi. Un roi pour lequel toute femme abandonnerait tout juste pour être couronnée. Louisa, pourquoi tu as de la haine en toi, infernale? Je te hais. Je le jure devant Dieu que je te hais plus que tout. Thank you.
Tu m'as fait peur. T'as pas la conscience tranquille. Je t'en prie. Arrête de faire ça. Mais au fait, merci d'avoir joué au numéro de la Vierge vertueuse aux yeux du roi. Tu as fait du très bon boulot. Mais dis-moi, quelle fierté y a-t-il à trahir sa promesse? Je n'ai trahi personne, ma sœur. Ni toi ou une autre personne peut me pousser à faire ce genre de choses. Non, arrête de commenter, Rose. Le roi était déjà en train de te l'amener. Tu es venu avec des griffes lui mettre le grappin dessus. Tu n'aimes pas le roi? Tu cours juste après lui pour sa notoriété et le pouvoir qu'il a. Et toi, tu lui cours après quoi? C'est que j'ai à captiver son cœur. Notoriété et pouvoir ne peuvent être dissociés de la royauté. C'est par mauvaise foi que tu refuses de la foi. Je ne suis pas la Louisa. Mon intérêt à lui, c'est de le rendre amoureux. C'est ce que j'ai vu dans ses yeux. Ah. Oh. Le roi t'attend. Je sais, maman. Louisa, ça devait être toi à ma place. Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas t'en faire pour moi. Rappelle-toi juste que la blessure d'une trahison ne sera jamais guérie. Je ne pourrai jamais te pardonner ni toi, ni maman pour ça. T'inquiète. Viens, allons-y. Je ne suis pas d'humeur, maman. Je n'ai pas envie de partir. Mais tu ne peux pas faire ça. Le roi est là, t'entends? Louise est amoureuse de lui. Mais le roi est amoureux de toi. Maman, ça c'est très difficile pour moi. C'est vraiment très compliqué pour moi. Je ne peux pas. Louise me tape sur les nerfs. Mon Dieu. Elle n'arrive même pas à me comprendre. T'inquiète. Je suis là. Tu dois lui voir. Pour te finir. Non, moi, j'ai pas envie de partir. S'il te plaît, chérie. C'est une très belle maison. Remercions mon père, le grand roi du royaume de Douala. Ah. Ah. Ah.
C'est très beau ça. Pourquoi ce regard si profond? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Les yeux sont le chemin qui mène vers le cœur. Alors qu'avez-vous vu? La pureté du cœur. Une femme vertueuse. Qu'est-ce que vous désirez de moi, mon roi? Une fidélité éternelle. Un amour durable. Rose, me ferais-tu l'honneur de m'épouser? Mon roi, si vous pouvez accorder-moi un peu de temps. Beaucoup de temps s'est écoulé, Rose. Mais ma sœur est amoureuse de vous. Mais je ne suis pas amoureux de ta sœur. C'est toi que je veux. Je suis amoureuse d'un autre. Ne me poussez pas à prendre une décision qui va très longtemps durer à moi et me faire des ennemis. Je ne veux pas vous créer de problèmes. Qu'est-ce que c'est douloureux de tomber amoureux d'une femme qui est amoureuse d'un autre homme? C'est comme un coup de poignard dans le cœur. Je suis désolée, mon roi. Je dois partir maintenant. Je te ramène chez toi. J'ai envie de rentrer seule. J'insiste. S'il vous plaît, ne me privez pas de ce que je veux. Personne n'a jamais rejeté ma demande. Je suis désolée, mon roi. Je ne voulais pas vous blesser. S'il vous plaît, pardonnez-moi. N'ose pas hausser ta voix sur moi. Il est déjà tombé amoureux de ta sœur et tu dois être contente pour elle. Fais la demande. Et puis, je lui ai dit que je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis amoureuse d'une autre personne. Clint. Tu ne peux pas être naïf jusqu'à ce point. Ne me pousse pas à taillir, parce que beaucoup de choses seront en ta défaveur. Rentre là-bas et présente tes excuses. Pourquoi, maman? Pourquoi tu ne laisses pas tranquille? Allez, reste en dehors de ça. Moi, si j'étais à ta place, j'aurais suivi mon cœur. Rose, tu es ma fille. Je te prie de faire ça pour moi. S'il te plaît. Je ne peux pas. Désolée, maman, je ne peux pas. Excuse-moi.
Votre Altesse. La déesse de la couronne. Rose, la beauté. Tu es celle qui a été choisie parmi plusieurs. Mon cœur bat pour toi, Rose. Je perds mon souffle de vie. Pourquoi vous faites ça? À cause de l'homme. S'il te plaît, fais-moi l'honneur d'accepter ma bague. Mon serment d'une fidélité éternelle et d'un amour sans fin. Je vous permets d'aller parler avec ma mère. Oui. À présent, ma vie de solitude est derrière moi. Je comptais chaque minute qui passait, une à une. En attendant ce moment, j'ai veillé nuit et jour. Mon cœur pour toi est comme cet océan qui ne tarissera jamais. Même au moment où ces vagues montent très haut, j'ai attendu afin de venir mettre la bague à ton doigt. Maintenant, je te donne le pouvoir de contrôler mon cœur. Bravo! C'est un bon poème. Et pourquoi un changement si soudain? Je me suis engagée chez une autre personne. Je savais que ça allait se terminer ainsi. Mais tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Auparavant, oui. Je l'aime maintenant. Qu'en est-il de moi? Clint, je viens de réaliser que je ne t'aime pas. Ce qui s'est passé entre nous était juste une illusion. Ce n'était pas réel. Et je suis désolée. As-tu dit que tu viens de réaliser? Oui. Et qui est cet homme que tu fréquentes? Le roi. Le roi Douala. Qu'est-ce que l'influence a sur ma mère? Ne dis pas ça, Clint. Je ne suis pas vendeuse de l'amour. Mon amour n'est pas à vendre. Tu l'as vendu, Rose. Tu l'as vendu. Ta mère et ta sœur t'ont influencé. Je hais la façon dont tu me parles maintenant. Je hais d'admettre que tu vends l'amour, Rose. Comment tu peux te comporter ainsi à l'égard de ta soeur? Je ne veux pas et je le refuse, maman. Allez, ferme ta bouche. J'ai pitié de toi. Est-ce de ma faute que le roi ne s'est pas intéressé à toi? Si tu es vraiment soucieuse du bonheur, alors tu réconseilles à Rose de me laisser le roi. Tu ne sais rien du bonheur. Tu dois arrêter avec cette jalousie mal placée. Elle est ta soeur, après tout. N'as-tu pas honte de toi-même? Ce n'est pas pour Rose que tu es contente, mais pour sa gloire qui rejaillit sur toi, maman. Tu es juste l'incarnation de tout le monde. Merci, maman. Si on va t'accompagner au palais. J'espère qu'il ne s'agit pas de moi. Louisa, tu vas accompagner ta soeur au palais. Je crains pas. Quoi? Je crois que je n'aurai rien à faire aux côtés de ma soeur qui vivra son intimité avec le roi. J'ai décidé de quitter la ville. Je vais aller chez Tantine Vicky au Niger. Cette décision ne reçoit pas notre approbation, ma fille. Je t'interdis de me parler de cette manière. Mais pourquoi vous avez encore besoin de moi?
Après tout, nous avons notre reine qui va réchauffer le lit du roi et ramener l'honneur et le prestige tant recherchés par cette famille. Alors, dans ce cas de figure, je me considère comme étant innocente. Louisa ! N'as-tu pas d'intérêt pour cette famille ? Oh, tu veux dire ton intérêt ? Excuse-moi ! Oh, mais oui, toujours cette facette hypocrite que tu as transmise à ta fille, sans laquelle tu n'aurais pas goûté la royauté. Oh ! Votre Majesté. Je prends sa corde. Tu n'as pas aimé le cadeau que je t'ai envoyé. Bien au contraire, Votre Majesté. Il m'a beaucoup plu. Alors, pourquoi m'as-tu insulté et m'as déshonoré en me renvoyant ça? Votre Majesté, vous m'avez insulté en m'envoyant un cadeau. Alors que ma soeur qui porte votre bébé est allongée à la maternité. Si vous voulez que je sois contente, envoyez-lui un cadeau d'abord. Rose a déjà eu l'expérience de ma générosité. Maintenant, je souhaite vraiment étendre cela vers toi. Je vous en prie, Votre Majesté. Pourquoi cet intérêt soudain? Le changement. Le changement. Le changement, Louise. Tu es belle. Et vous aviez choisi ma soeur à ma place. Maintenant, je te choisis. Je vous comprends, mon roi. Mais je ne peux pas. Tu me comprends? Je ne peux pas nier ça. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Je ne trahirai jamais ma soeur. Jamais. Excusez-moi. Laisse-moi te dire ceci. Louisa, donne-moi une chance. Votre Majesté, excusez-moi. Louisa! Votre Majesté, excusez-moi. Thank you.
Votre Majesté, elle va bien. Et comme vous l'entendez, ça promet. Asseyez-vous, Votre Majesté. Votre Majesté, c'est un garçon. Un garçon? 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 Finalement, un héritier du trône. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Oui. Ah. Salut, Clint. Louisa, tu m'as beaucoup fait attendre. Bon, je vais aller droit au but et être aussi concise que possible. Je t'écoute. Tu sais que Rose t'a rejeté parce que tu n'avais pas d'argent. Bien sûr, je sais. Bien, je veux que tu puisses l'appeler et que tu lui fasses du chantage. Dis-lui que son fils est de toi. Louisa, peux-tu me dire le nom du jeu auquel tu veux jouer? T'as pas de questions à poser. C'est aussi simple que ça, je te demande de tuer personne. Écoute, il y a ici 10 000 galacidis. C'est la moitié de l'argent que je veux te payer. Louisa, je suis désolé, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas? Je ne peux pas. Je ne te crois pas. Mais merci. Écoute, il y a ici 50% de 10 000 galacidis. Tu sais tout ce que tu peux faire avec cet argent? Un tas de choses. Tu peux relancer ta vie. Tu peux faire quelque chose de ta vie. Louisa, je ne peux pas. Rose est ta Laisse soeur. Laisse le côté famille en dehors de ça. Je vais m'en charger. Prends cet argent et passe-moi un coup de fil quand tu auras remis ta part. S'il te plaît, parle-moi pourquoi. Oh, je l'apprécie. Une bonne taille. Tu voulais bien bon. D'un bébé garçon ici. Oh, bien sûr, je voulais un héritier. Allô, Louisa? Oui, passe l'appel maintenant. Ah, ok. Appelle à cet instant précis. Je le fais comme prévu. C'est exactement ce que tu voulais. Tel père, tel fils. Allô? Allô, Rose? C'est Clint. Toutes mes félicitations pour avoir bien accouché. Mais alors, quand est-ce que je verrai mon fils? Quoi? De quoi parles-tu? Quand toi et moi savons très bien que le fils que tu viens de mettre au monde est le mien. T'es malade! Qui est-ce? C'est pas quelqu'un d'important.
Clint, qu'est-ce qu'il y a? Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour reprendre mon fils. Tu ferais mieux de le dire à ton roi, ton soi-disant roi, que cet enfant m'appartient. Écoute-moi. Je t'interdis de ne plus jamais appeler ce numéro. N'importe quoi. Tu vas me dire quel est le problème et qui est Clint? T'inquiète à propos. Qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, j'aimerais d'abord parler avec ma mère. Louisa. Elle a raccroché puis a éteint le téléphone. C'est bien ça? Oui. Ok. Très bien. Ah, je suis vraiment terriblement désolée. Désolée, Votre Majesté. Rose Clint vient de m'appeler pour me dire qu'il essaie de toujours. Il est vraiment stupide. Mais qu'est-ce qu'il essaie de dire au juste quand il est en train de parler de ton bébé? Louisa! Bien, est-ce que je peux te voir dans ma chambre maintenant? Bien. Je te rejoins dans une minute. Louisa? Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, on peut rentrer ici. Excusez-moi. Louisa, je demande de savoir quel est le problème. Votre Majesté, croyez-moi, vous ne voudriez pas savoir. Ok, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Rose? Votre Majesté, laissez-moi d'abord parler à ma mère. Quel est le problème? Votre Majesté, ne t'inquiète pas. Je t'en prie. Votre Majesté, vous m'avez appelé. Dis-moi, qu'est-ce que ta sœur est en train de me cacher? Je ne vois pas de quoi ce que vous parlez. Dis-moi, qu'est-ce que toi et ta sœur vous êtes en train de me cacher? Votre Majesté, je ne vois vraiment pas de quoi ce que vous parlez. Ne me mens pas. Tu sais de quoi je parle, Louisa. Qu'est-ce qui se passe? Majesté, je crains que ça vous déplaise. N'abuse pas de ma patience. Dis-moi ce qui se passe. C'est difficile, Votre Majesté. Dis ça seulement. Votre Majesté, il y a quelqu'un qui revendique la paternité de l'enfant trans. Quoi? Qui? Alex, petite amie de Rose. Votre Majesté. Du calme, Votre Majesté. On peut tout arranger. S'il vous plaît, Votre Majesté, ne faites pas de bruit dessus. Je vous en supplie. Rose, qui est le père de ton enfant? Excuse-moi? Dis-moi, qui est le père de ton enfant? Tout de suite. S'il vous plaît, Votre Majesté. Premièrement, tu m'as menti d'être vierge.
Et maintenant, c'est à propos de l'enfant. Je veux que tu quittes ce palais tout de suite. Toi et ton enfant. Votre Majesté, s'il te plaît, crois-moi. Quelqu'un veut me faire du chantage. Ce bébé t'appartient, je jure sur ma vie. S'il te plaît. J'ai parlé. Quitte. Votre Majesté, nous sommes à la recherche d'un enfant toutes ces années. Un héritier. Je ne vais pas revenir sur ma décision. Vous pouvez avoir raison, Majesté. Mais pas quand ça affecte le futur de ce royaume ou l'héritier de ce trône. Je ne vais pas revenir sur ma décision. Si j'ai un fils aujourd'hui, définitivement j'aurai un autre. Je ne suis pas d'accord, Votre Majesté. Nous cherchions un garçon, un héritier au trône. Et maintenant que tu nous as fait faveur en nous donnant un, tu veux tourner ton dos contre lui. Je ne vais pas revenir sur ma décision. Je ne suis pas d'accord. Votre Majesté, je ne suis pas d'accord. Ce trône n'a pas encore de successeur. Je ne mets pas ta décision en cause. Mais... Ma mère, ne discutons pas de ça et faisons comme si cela n'était jamais arrivé. Que dira-t-on de ce royaume? Si le cabinet et la cour se rendent compte que le futur roi, le successeur du trône, n'est pas de mon sang. Pense à ce royaume. Pense à ce que les gens diront, surtout qu'ils cherchent le successeur à ce trône. Fils, nous devons vraiment nous rassurer que... Maman, je n'ai besoin d'aucune autre forme d'assurance. Avoir le souci d'investiguer sur ça, les gens se rendront compte, ne penses-tu pas? D'ailleurs, je ne pense pas que Louisa mentira contre sa propre sœur. C'est ma réputation qui est en jeu ici. Et je pense que le mieux est que Rose et l'enfant partent, mais pas Louisa. Louisa? Oui, Louisa. Elle est celle que je désire en ce moment à cause de cet acte de vertu qu'elle a posé. Bon sang. Nous attendions tous à ceci. Et maintenant que nous sommes sur le point de couronner nos réalisations. Réalisation? Heureuse de naissance à un bâtard, c'est une réalisation. Contre ta langue, Louisa. Pourquoi tu traites mon fils d'un bâtard? Voilà nous mettre dans la trouble ici. Maman, je n'aime pas ça. Louisa, maladie. Oncle, dois-je vous rappeler que seule la reine peut donner naissance à un petit? Oh! Le fait est très simple. Très, très simple. Ta sœur a donné naissance à un garçon au roi. Et tu as poussé le roi à rejeter son garçon juste à cause d'un vœu stupide qu'il t'a fait. Maintenant, écoute-moi. Tu ferais mieux d'avoir un plan. Et sois sûr que ce plan favorise cette famille. Sinon... Sinon quoi? Ah... Louisa, tu m'as répondu comme ça. Marque ma parole. Ton avidité détruira cette famille. Merci. Louisa, puisque tu as déclaré un verdict sur ta propre sœur, quel est ton plan? C'est simple, Louisa. Rose et son bâtard vont être livrés sur Internet. Question d'être mieux connue. Tu es méchante, Louisa. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu devrais te le demander, Rose. Je ne fais que retourner l'ascenseur. Et après ça, je vais donner au roi ce qu'il désire tellement. Un fils légitime, un héritier au trône. Et non pas ton bâtard de fils. Tu payeras pour ça.
pour utiliser tes propres mots. C'est une condamnation gratuite, désespérée. Il faut que tu sois fort. J'ai mis ta sœur et son enfant indésiré à la porte. Vas-tu maintenant te laisser à moi? Attends que ton amour et ta loyauté sont pour une personne. Ils sont pour toi, mon amour. Non. S'ils étaient vraiment à moi, tu ne resterais pas seul au-dessus de moi. La reine est au-dessus de moi. Ta loyauté avec elle. Elle siège à ta droite et traite des affaires publiques avec toi. Alors que veux-tu que je fasse? Aussi longtemps qu'elle siège sur ce trône, on ne pourra pas avoir une vie. Allez, voyons, je dois m'infiltrer ici comme si j'étais une petite fille. Comment être chaleureuse avec toi, te montrer mon affection quand tous les yeux sont braqués sur moi? Louise, que veux-tu? C'est simple. Destitue la reine de sa royauté. Soit déchu de sa couronne. Majesté, nous savons que vous avez un pouvoir illimité pour prendre des décisions. Mais je vous implore de considérer le choc qui s'est fait à la reine Awa et à son peuple si jamais elle était destinée. Elle a vraiment été une grande femme. Si vous la rejetez, ça créerait beaucoup de problèmes. Si les gens veulent savoir la raison, je veux leur évoquer ça. Je veux un héritier, mais c'est très clair, elle est incapable. Mais vous les chefs, vous resterez à l'écart, mais laissant seul responsable en face de ce que cette situation va engendrer. Je veux répudier Zewa. Vous pouvez délibérer tout ce que vous voulez. Sinon, j'ai déjà dit mon dernier mot.
Comment ça s'est passé? Le conseil s'oppose à cela. Pourquoi? Le peuple va manifester contre ça. Le peuple? Est-ce le peuple qui te donne ton souffle de vie? Le peuple n'est là que pour une seule et unique raison, être dirigé. Majesté, n'as-tu pas une idée du pouvoir que tu possèdes? Tu es un roi. C'est ce titre qui te confère une toute puissance sur toi-là. Détrône-la et il n'y aura aucune conséquence. Elle n'a rien fait, juste qu'elle est incapable de me donner un héritier. Je vais tout simplement la négliger. Et fais de toi tout ce que je désire. Tu vas simplement lui ôter tous ses droits royaux et la renvoyer du palais. Votre Majesté. Tout ce que je veux, c'est être libre dans mes mouvements. Je veux être ta femme légale. Pour que comme ça, un jour, nos enfants ne deviennent pas des bâtards. Est-ce vraiment trop demandé? Tu vois, une fois que tu auras rempli ta part, je te donnerai ce dont tu as tellement désiré. Mon corps, mon esprit et mon âme. Votre Majesté Reine Sewa, avez-vous quelque chose à dire? Va à une autre personne. Mais à mon Seigneur et Marie, comme une femme, j'ai été aimée de tout mon cœur. J'ai été une femme obéissante et loyale à ta couronne. Quoique je n'ai pas pu te donner un héritier. Sinon, je l'ai désiré comme un lot. Dis-moi, si j'étais offensée quelque part pour que tu me destitues de ma couronne comme reine, si c'est la punition qui convient, j'en ferai face. Si ce n'est pas ça, s'il te plaît, mon Seigneur, épargne-moi de cette humiliation. Merci. Vous pouvez partir. Nous allons délibérer sur cette question. Il n'y a rien à délibérer. Je ne retournerai pas sur ma décision. Dis-moi, pourquoi tu cherches ma chute? En quoi est-ce que j'étais offensée au point d'envier mon trône d'une manière désespérée? Vraiment? Tu veux que je parte de mon mariage, abandonner mon trône et nier ma fille, l'héritière du trône? Tu veux me renvoyer dans une nuit d'isolation? Tu es en train de faire une grande erreur. Même si tu brisais tous mes os et ma chair, et que tout mon être s'est détérioré à la mort, je n'abandonnerai jamais mon trône. Parce que je suis la reine Awa, la première et la seule femme du roi Phalis II, mère de l'héritière au trône, la bien-aimée du peuple, la reine du royaume de Douala. Et ça, ma chère, c'est ce que je suis jusqu'à la mort.
Je sais que tu as pris ta décision, mais j'en souffre aussi beaucoup. Mais j'ai du monde. Es-tu perdu pour ce qu'elle a entre ses deux jambes et qui vient détruire notre mariage, ton royaume ainsi que ton homme? Parce qu'elle t'énie, tu veux détruire tout ce que tu as construit. Mon Seigneur, tu es un roi et un homme sage. Le roi qui aime tant sa fille. S'il te plaît, je te prie, épargne-moi de cette humiliation. Jamais gravé en moi. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous remercie pour ça. Je vous remercie tous, mes pères. Merci pour tout. Merci de m'aimer autant. Maintenant, tu vas te laisser à moi. Et moi, j'ai été claire en disant que ça n'arriverait pas tant qu'on ne serait pas marié. Bêtise, j'ai créé du problème dans mon royaume à cause de toi. J'ai détruit mon mariage, tout cela à cause de toi. Et j'ai fait cela en blessant une dame gentille, juste à cause de toi. Maintenant, je vais avoir ma récompense. Tu n'as pas me crié, monsieur. C'est mon choix de me donner à toi ou pas. Choix. Sur base des faits, je suis sûre d'une chose. C'est que tu m'aimes réellement. Alors, sois ma reine. Bien sûr.
Que Dieu bénisse la reine puissante. 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est la quatrième fois que je perds mon bébé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Le Rome doit surtout pas découvrir ça. Parce que s'il découvre ça, moi je suis finie. Tu ne dois pas savoir que j'ai fait une fausse couche. Ok, 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 ok. Calme-toi, calme-toi. Essaie d'en parler avec. Dis-lui que ça n'a pas marché. Mais tu ne peux pas comprendre, il n'y a plus d'intimité entre lui et moi. S'il arrive à le découvrir, il va entrer dans une colère folle, il va se détester, sans parler de moi qu'il va détester encore plus. Je ne sais vraiment pas quoi faire, mais un tout le temps, je suis sûre, c'est que il faut que tu te débarrasses de ça. Papa, enterre ça. Vas-y, enterre-moi ça, fais-moi disparaître ça, ok? Ok, je le ferai. Mais le roi sait que tu es enceinte, c'est ça? Et il s'attend à voir ton ventre gonflé. Comment vas-tu le faire? Le roi ne doit rien savoir dessus. Ok. Alors, comment vas-tu lui dire que tu as perdu la grossesse? Je ne sais pas. Justice? Justice, tu peux le faire? Justice, écoute. Écoute. Aide-moi, tombe enceinte. Oh non, de quoi parles-tu? Es-tu folle? Justice, tu es mon frère. Si je retourne sans rien, je cours le risque d'être renvoyée. Oh non, non, je peux voir que t'es devenue folle. C'est de l'inceste. Justice, s'il te plaît, aide-moi. Aide ta soeur. Aide-moi parce que tu sais très bien ce que je cours. Aide-moi. Aide-nous. Aide cette famille. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas. Je suis désolée.
Votre Majesté, j'ai peur de le dire, Votre Majesté. De quoi s'agit-il? La reine a commis l'inceste. Es-tu sûre? Je suis sûre, Votre Majesté, je ne veux pas vous mentir. Où est la preuve? Votre Majesté. Votre Majesté, il y a une chose que je veux te dire. C'est vraiment très difficile pour moi, mais je prie juste pour que tu trouves un endroit dans ton cœur pour me pardonner. Votre Majesté. Garde! Arrêtez-la! Lui aussi. Votre Majesté, mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez-les. Votre Majesté. Je me suis agenouillée devant toi et j'étais honorée. S'il te plaît, je te demande. Ma sœur est vraiment une fierté pour moi. Si tu veux vraiment ôter sa vie, je te demande de prendre la mienne. S'il te plaît, je te demande pardon. Tu as pris le risque pour venir dans ce palais. La prochaine fois, tu n'auras plus cette chance. Retourne à la maison. Prends soin de toi. Prends soin de ton enfant.
Quant à ce qui concerne ta sœur, elle paiera le prix de son crime. S'il te plaît, votre majesté, je demande ton pardon. S'il te plaît. Retourne à la maison. Je vais t'envoyer deux messages. Puis-je les voir, votre majesté? Accordé. Il m'a donné sa parole d'honneur que tu vas sortir. Juste calme-toi et tout va très bien se passer. Rose, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Il faut que tu me croies, nous n'avons rien fait. Mais l'oncle a dit qu'on a même montré la photo qui prouve que vous avez réellement fait ça. Mais nous ne l'avons pas fait. Mais c'est à peine si même nous voulions commencer, on ne l'a pas fait, je t'en prie. Tu me crois, s'il te plaît. Pourquoi d'abord ça? Pourquoi avais-tu eu cette idée de ce genre de choses? Je sais pas. Je sais pas. T'inquiète, ça va très bien se passer. Ça suffit. Je pars voir justice. Avais-tu fait ça? Je ne l'ai pas fait. 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 Le roi a personnellement porté plainte pour inceste contre les deux, avec une preuve solide, un témoin. Ils feront face au conseil des juges, je ne sais pas ce qui les attend. Bon sang, l'inceste, qu'est-ce qui les a pris? Que pensait-il? Oh. Effort de le faire sortir de là. Voyez-vous ce que votre ambition nous a poussé? Vous avez poussé vos ambitions très loin et maintenant nos vies sont devenues misérables. Si vous ne le faites pas sortir de là, thank you.
après toutes ces investigations, questions et témoignages, nous avons des grandes évidences que toi, la reine Louisa et Justice Adjema avaient effectivement commis cet acte abominable d'inceste. Vous avez détruit la réputation de la famille royale et les membres du conseil, avant de prononcer un quelconque jugement, savant très bien que vous avez quelque chose à dire. Aujourd'hui, je me tiens ici pour me défendre d'un crime qui n'a jamais vraiment eu lieu. Et puis, je me demande quel argument de défense mettrais-je en avant quand il n'y a pas de quoi me défendre. Mais je sais qu'un jour, la vérité fera surface. Et quand viendra ce jour, mon nom et nos dignités seront restaurés. Maintenant que nous avons entendu la déclaration de Sa Majesté, la Reine, cher juge, nous ferions mieux d'appliquer ce que la tradition nous dit dans de telles circonstances. Maintenant, quel est votre jugement? Coupable. 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 Devant tous les juges, comprenant le conseil des anciens, en vertu du pouvoir qui leur a été confié par Sa Majesté Félix II, le roi du royaume du Tola, je vous ai trouvé coupable, vous deux. Je vous condamne à la présente, selon la loi de la terre, à mort. Garde. Emmenez-les. De bon cœur. Mais je tiens à dire au roi que le fils de ma sœur est vraiment le sien. Et que tout ce qui s'est passé n'était que le fruit de mes sales combines. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que mon frère a été tué pour un crime dont ils ne savent absolument rien. Et je demande à vous tous de me pardonner pour ce que j'ai causé de ce royaume. Ah ouais, ma maman, je vous en prie, dites-lui d'être ici avec moi. Je vous en prie. Oui, ma mère. Maman. Maman. Je vous en supplie, non.
Toi